Quand la pièce commence, ça fait 30 ans que la France est en guerre. Pour que la guerre arrête, Anne d'Autriche tient absolument à ce que son fils épouse l'infante d'Espagne. C'est une pièce sur le pouvoir de l'amour, le pouvoir de la politique, le pouvoir de la guerre. Bien sûr, je joue Anne d'Autriche, qui a un certain rapport avec Mazarin, un gros rapport d'ailleurs, Mazarin étant le cardinal Mazarin, qui est le tuteur de Louis XIV, et Anne d'Autriche, qui veut le pouvoir de la politique et elle veut avoir la main mise sur son fils quand même, et elle veut lui faire épouser Marie-Thérèse, ce qui fera d'ailleurs l'infante d'Espagne, parce que Anne d'Autriche est une Espagnole, était une infante espagnole. Alors tout ça, c'est les jeux de concurrence et les jeux de l'amour aussi, parce que Louis XIV est très amoureux d'une très jolie fille, Marie Mancini, qui est une des nièces de Mazarin. Tout ce monde-là, hein, on se croirait dans la politique d'aujourd'hui quelquefois.